De Yuen Fo, c'est apparemment l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme. C'est une petite histoire assez simple. Et en fait, il se passe à peu près tout l'univers. C'est une rencontre, c'est un choc de deux personnes qui n'ont rien en commun. Dit je parle et toi tu t'en vas. C'est-à-dire, si je parle, c'est que j'existe. Si je parle, c'est je suis là. Si tu ne me réponds pas, je n'existe peut-être pas. C'est peut-être que tu ne me vois pas, peut-être que je ne suis pas là. Et l'homme, lui, va sans arrêt, à chaque fois qu'il la rencontre, tu me reconnais. C'est comme si on ne le reconnaissait jamais. Tu me reconnais, ça veut dire tu m'as reconnu, tu m'as vu, donc je suis là ou pas. Est-ce que j'existe si je parle? Est-ce que tu me reconnais? Ce sont vraiment les questions de est-ce qu'on est réel ou est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce que ce moment-là existe vraiment ou pas? Et la seule chose qui nous rappelle qu'on est là, c'est la relation à l'autre. Merde, alors, merde, quelle bouffiasse, sale pute, merde et puis saloperie. Pour essayer de faire éprouver ça aux spectateurs, j'ai choisi un dispositif d'immersion. Les acteurs sont mélangés avec des hologrammes, exactement des personnages en 2D et demi, et ces différentes histoires qui pourraient être les mêmes que l'homme et la femme. Chaque hologramme va avoir une histoire, pourrait suivre son récit. On a cherché à faire qu'on ne sache plus qui est réellement vrai. Est-ce que c'est l'hologramme, l'acteur, lequel est vrai, lequel... Et de troubler l'œil, de chercher à sensibiliser la rétine qui va chercher la chair réelle. Deux acteurs qui venaient d'univers très différents, avec des codes de jeu, une relation au monde différente. Et ce qui m'intéressait, c'est comment ils rentraient en contact progressivement, comment ils cherchaient à communiquer. Et franchement, cette fille, ah oui, celle-là, celle à la réception. Mais oui, mais quelle salope! Celle-là? Oui, celle à la réception. Oui. Oui, franchement, des comme ça, des... oui. Oui. Oui, une vraie salope. On parle pour ne rien dire. Non. On parle pour ne rien dire. On parle pour ne rien dire et on se tait pour ne pas dire parler pour importantes. Ne rien dire. Mais on a besoin de parler. Donc ça sort. Alors, souvent, ça dit rien, mais ça dit là, à l'endroit où on ne souhaite pas consciemment exprimer ce qu'on dit. Voilà. C'est ça. C'est clair ? C'est ça.